Précédemment, dans Fallout 4. Pourquoi vous ne m'avez rien dit, Dance? Parce que je l'ignorais. Jusqu'à ce que Quinlan déchiffre ses pistes. Là, je vais peut-être laisser le... Pour moi, les synthétiques étaient l'ennemi à abattre. Le discours. Jamais je ne me serais attendu à en être un. Dire que sans Hélène, nous n'aurions pas cette conversation. Alors, quels sont vos ordres? Maxon veut me capturer vivant. Non. Mais j'aimerais trouver une autre solution. Ne soyez pas ridicule. Écoutez, je sais qu'on est bons amis et que ça doit être très difficile pour vous. J'aurais préféré que Maxon envoie quelqu'un d'autre. Enfin, ça ne change en rien. Je suis un synthétique, ce qui signifie qu'il faut me détruire. Si vous désobéissez aux ordres, vous trahissez non seulement Maxon, mais aussi la confrérie et tout ce qu'elle représente. Il est impossible de faire confiance aux synthétiques. Les machines ne sont pas faites pour prendre leurs propres décisions. Elles doivent être contrôlées. C'est la technologie devenue incontrôlable qui a mis ce monde à genoux et conduit l'humanité au bord de l'extinction. Je dois être un exemple, pas une exception. Ces sentiments dont vous faites preuve, ce sont des émotions humaines. Merci. Mais j'ai pris ma décision d'identité. Maxon vous a ordonné de m'exécuter. Et il n'est pas question que je résiste. Non. Je ne le ferai pas, Dance. Je n'arrive pas à croire que vous risqueriez votre vie simplement pour sauver la mienne. Bien sûr, Piper a adoré. J'ai déjà perdu ma famille. J'ai pas envie de perdre un ami. C'est vrai. Drama style. Je dois tenir compte des conséquences de ma mort sur les gens qui tiennent à moi. Comme vous et Hélène. Maintenant que vous m'avez ouvert les yeux, je vais peut-être pouvoir réfléchir à ce que je dois faire. Quoi que vous décidiez, je vous soutiendrai. Je vous remercie. Mais je dois suivre ma propre route. Je n'ai pas le choix. Il faut que je quitte le Commonwealth. Plus tôt j'aurais passé la frontière, et plus vite j'en aurais fini avec ce cauchemar. Prenez mes holoplaques. Servez-vous-en pour prouver la réussite de votre mission. Sinon Maxon enverra quelqu'un d'autre me traquer. Bon, allez. Partons d'ici maintenant. Yeah. Je refuse, parce que vos ordres sont absurdes. Comment osez-vous? Dance n'est pas un homme, c'est une machine, un automate créé par l'Institut. Il n'est pas né du ventre d'une mère aimante. Il a grandi dans les salles glacées d'un laboratoire. Raciste! La chair et la chair. Une machine est une machine. Elles n'ont jamais été faites pour être confondues. En se prenant pour Dieu, l'Institut a pris le caractère sacré de la vie humaine et l'a corrompu de manière éhontée. Après tout ce que j'ai fait pour la confrérie, tout le sang versé en notre nom, comment pouvez-vous tenir un tel discours? Vous êtes l'incarnation physique de ce que nous haïssons le plus. La technologie qui est allée trop loin. Regardez autour de vous, Dance. Regardez la terre brûlée et les eaux qui jonchent les terres désolées. Des millions de gens, peut-être même des milliards, ont péri parce que l'homme a perdu le contrôle de la science. Ils voyaient ça comme une nouvelle frontière, une révolution, sans jamais penser aux conséquences. Vous ne comprenez pas que c'est la même chose qui recommence? Vous n'êtes qu'une bombe dans un arsenal qui en compte des milliers et qui s'apprête à décimer ce qui reste de l'humanité. Vous comparez Dance à une bombe nucléaire? Cette machine n'est peut-être pas une bombe, mais son objectif est exactement le même. Il suffit de la mettre là où on veut faire des dégâts, et quand vous vous y attendez le moins, elle vous porte un coup fatal sans avertissement et sans pitié. Un coup d'une précision chirurgicale au cœur même de l'ennemi. Comment pouvez-vous faire confiance à une machine qui se croit vivante? Une machine dont les souvenirs ont été effacés, dont les pensées ont été programmées, dont l'âme même a été fabriquée. Les idéaux qu'il prétend défendre ne sont même pas les siens. Ils lui ont été inculqués artificiellement pour qu'ils se fondent dans le décor. C'est vrai. J'ai été conçu dans un laboratoire. Et certains de mes souvenirs ne m'appartiennent pas. Mais chaque fois que j'ai vu mes frères mourir à mes pieds, j'ai ressenti du chagrin. Chaque fois que j'ai vaincu un ennemi de la confrérie, j'ai ressenti de la fierté. Et quand j'ai entendu votre discours sur le salut du Commonwealth, j'ai ressenti de l'espoir. Vous ne comprenez pas? Je pensais que j'étais humain, Arthur. Depuis que je suis entré dans la confrérie, je n'ai rien fait pour trahir votre confiance. Et je ne le ferai jamais. C'est trop tard. L'Institut a choisi de vous donner vie alors que vous ne devriez même pas exister.
Je n'ai pas l'intention d'en discuter davantage. Je ne reviendrai pas sur mes ordres. Ce n'est rien. Nous avons fait de notre mieux. Vous m'avez convaincu que j'avais tort d'avoir honte de ma véritable identité. Et je vous en remercie. Quelle que soit votre décision, sachez que je mourrai sans colère ni regret. Très touchant. Écoutez, chevalier. Soit vous exécutez Dance, soit c'est moi qui m'en charge. À vous de voir. Après tous les sacrifices que j'ai faits et tous les combats que j'ai menés pour la confrérie, vous allez m'écouter. Vous me devez au moins ça. Très bien, je vous écoute. Allez. Si j'ai pu gagner votre confiance ou votre respect en servant la confrérie, je vous les échange avec joie contre la vie de Dance. La vie de cette machine compte à ce point pour vous. Yes. Bien. Il semble que nous soyons dans l'impasse. Bon, il faut épargner Dance traduit tout ce que la confrérie représente. Et pourtant, vous insistez pour qu'il ait la vie sauve. Vous ne me laissez pas le choix. Dance, en ce qui me concerne, vous êtes mort. Vous avez été traqué et tué par ce chevalier de la confrérie. Et votre cadavre a été brûlé. À compter de ce jour, il vous est interdit de mettre un pied à bord du Prydwen ou de parler aux membres de la confrérie de l'acier. Si vous outrepassez ces ordres, nous tirerons sans sommation. Est-ce bien clair ? Absolument. Merci d'avoir accepté de me croire, Arthur. Ne vous méprenez pas. La seule raison pour laquelle vous êtes encore en vie, c'est elle. Bien. Chevalier, je retourne sur le Prydwen. Prenez votre temps. Faites vos adieux. Je vous attends là-bas. Hey, bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans la suite de ce playthrough consacré à Fallout 4. Quelques jours se sont écoulés sans qu'il n'y ait de vidéo, car il y a une excellente nouvelle si certains ont lu les précédents commentaires, à savoir que je suis devenu papa. Et oui, du coup, pas forcément eu le temps de pouvoir vous approvisionner en vidéo. Cependant, je n'ai pas chômé, puisque comme vous pouvez le voir ici sur l'écran de chargement, je suis niveau 102. J'ai récupéré quasiment tous les bouquins qui traînaient dans le Commonwealth. Donc tous les bouquins concernant notamment Chirurgien du Massachusetts, Increvable, Histoire à dormir debout, ce genre de choses. Donc ce qui permet également d'apporter de nombreux atouts, de nombreux avantages. Donc, je pourrais vous les faire voir très rapidement. Si on va dans Statistiques. Et dans aptitude, voilà par exemple armes et munitions, donc je les ai tous. Donc à chaque fois, les armes balistiques infligent 5% de dégâts supplémentaires critiques. Et puis après, voilà, si on continue, les chirurgiens de Massachusetts, je les ai tous. Il doit me manquer juste un en science Tesla, si je me trompe pas. Georgian Payne, je les ai tous trouvés, Increvable également. Et j'ai également développé le truc de l'autre là, comment il s'appelle, je crois que je vous l'avais fait voir d'ailleurs, de Woodworth, c'est un truc informatique, je sais plus si je vous l'avais montré, je suis en train de regarder, ça c'est McCready, on va finir par le retrouver, piratage expert, c'est fini. Survie dans les terres désolées, tir fatal, vie amour. Eh bien écoutez, je ne sais plus c'était quoi, donc Woodworth, il faudrait que je recherche, du coup je pensais le connaître. Et là je me rends compte que non. Ah bah si, compassion robotique, voilà, grâce à votre relation avec Codeworth, votre résistance aux dégâts augmente de 10 contre les armes et énergies des robots. Mais j'ai également développé un élément avec mademoiselle, celle qui se trouve, ah voilà, c'est elle. Grâce à votre relation avec Piper, vous gagnez deux fois plus de points d'expérience pour les défis d'éloquence. Donc, aujourd'hui, je suis accompagné de Kate. Donc Kate dispose d'une quête plus ou moins finale dans notre relation et amitié. Cependant, voilà, il me reste juste à débloquer, je pense, le dernier niveau pour débloquer sa compétence spéciale. Sortie de ça, il me restera juste la Dance et Canigou à monter au maximum. En plus de cela, je tenais également à vous montrer deux choses, à savoir, donc si je ne me trompe pas, le chapeau de lieutenant également. Ah oui, mais là on va pas voir grand chose. J'ai commencé à apprendre à tirer à armes réelles. Ah, ça c'est pas mal. Ouais.
Voilà, le chapeau de lieutenant. Alors, d'où vient le chapeau de lieutenant ? Eh bien, je ne sais pas si vous vous souvenez de l'USS Constitution. Eh bien, en fait, donc j'avais réalisé une quête. L'USS Constitution s'était barré à un autre point. Du coup, je pensais que c'était fini. Entre temps, j'y suis retourné pour faire 2-3 trucs. Et j'ai rediscuté avec le commandant. Et le commandant donc, m'a fiché ce chapeau de lieutenant qui est assez marrant. Qui augmente le charisme de 1. Et j'ai également récupéré une tête de mascotte. Ça, celle-ci est beaucoup plus drôle. Une tête de mascotte donc dans un certain lieu qui était vraiment sympa et qui était tenu par un pillard qui était complètement qui était devenu complètement fou et qui pensait qu'en fait une personne avec une tête de mascotte était un démon. Bref, ce petit point étant fait, ce que je vous propose donc c'est de continuer nos quêtes et notamment de retourner à l'institut pour essayer avec l'espion sous terre de libérer un certain nombre de synthétiques qui traînent là-bas. Le Pip-Boy Rocco et le Neck Presenter. Je dirais que les pillards de Libertalia vous ont donné du fil à retordre. J'en ai également profité pour complètement ou plus ou moins complètement vider l'institut. Puisque très clairement la prochaine étape sera de le détruire et je ne pourrai peut-être pas récupérer tous les éléments qui y sont. J'ai demandé à mes amis s'ils étaient prêts à se battre pour leur liberté. Le nombre de volontaires m'a surpris. Quand le combat commencera, d'autres pourraient bien se rallier à nous. Mais nous mourrons très vite si nous n'avons pas d'armes. Beaucoup d'armes. Avec les bons matériaux, nous pourrions nous fabriquer des armes de fortune. Malheureusement, il nous manque quelques éléments essentiels. Quels éléments ? De la poudre. Des cristaux de focalisation pour laser et 2 ou 3 autres petites choses. On pourrait pas simplement voler des armes ? L'armement est étroitement gardé par le BRS. Même si nous parvenions à en prendre, nous nous ferions sans doute repérer. Et l'élément de surprise est capital. Continuez. L'Institut ne cesse de s'étendre. De nouvelles excavations viennent tout juste de s'achever à l'un des niveaux inférieurs. L'équipement des mineurs a été rangé dans des caisses, mais pas encore récupéré. Il y a tout ce qu'il nous faut là-bas. Grâce à Monsieur Binet, l'équipe d'excavation est entièrement constituée d'amis à moi. Mais ils sont sous surveillance constante. Ça vous dérangerait de tuer quelques gardes ? Si c'est nécessaire, je le ferai. C'est le seul moyen que nous ayons trouvé. Une fois les gardes éliminés, nous emporterons l'équipement en faisant sauter les tunnels derrière nous. Le BRS pensera à un tragique accident qui a tué tous les synthétiques. Ce genre de catastrophe est rare, mais ça s'est déjà produit. Ensuite, nos amis décédés pourront assembler les armes dont nous avons besoin. Bonne chance. C'est un plan plutôt sympa. Donc, on va faire attention puisque j'ai mon casque qui n'est plus... Voilà, qui n'est plus dispo. Très bien. Eh bien, écoutez, on va y aller. On va essayer de mettre en place le plan. Ça me paraît pas con, hein, en faisant péter les tunnels, du coup, vous limitez le nombre de preuves disponibles. Tout ça me semble plutôt intéressant et ne risquerait pas de compromettre ma couverture. Donc, on va l'accepter. Hop. Voilà, ouais, donc j'ai quasiment récupéré donc, toutes les aptitudes, j'ai déjà tous les bouquins. Il m'en manque juste un, donc c'est le Science Tesla. Du coup, je me suis renseigné pour voir comment je pouvais éventuellement les récupérer. Bah, c'est assez facile en fait. Il s'agit tout simplement d'attendre que les missions de la quête principale avancent pour libérer un passage permettant d'avoir accès à cette fameuse à ce fameux bouquin qui me manque. Putain, mais ils sont tous. Hein. Toutes vos questions à G980. On appelle ça l'effet de surprise. M'en fous, j'ai plein de grenades. Oh, ils sont quand même costauds, c'est cool. Révolution. Ah. Pas ça, bordel. Oh non. Un Stormtroopers.
Je vous préviens, je suis méchant. Oh merde. Et passe pas devant, bordel. Souvenez-vous du plan de Z1, les amis. Prenez tout ce qui peut nous aider. Super, super, c'est noté. Ah, attendez, je pourrais repiquer pour avoir un équipement complet de synthétique quand même. Non. Hop. Là, normalement, j'ai accès à tout. Attendez, regarde s'il n'y a pas des trucs à voler. Très bien. Hop, ni vu ni connu. Ça va péter. Donc on s'approche vraiment de la fin là. Hein. De la fin du fin, et on va enfin pouvoir avancer sur les DLC. Et notamment nous faire un premier retour sur bah, les nouveaux qui sont sortis. Alors les nouveaux. Un peu anachronique de dire ça, puisque du coup j'arrive un peu après la bataille. Mais voilà, je vais essayer de voir si ce sont des DLC qui sont vraiment intéressants à prendre, à acheter. Pour ceux qui ont le Season Pass, bah écoutez, ça se pose pas la question, puisque vous avez pour le un prix global accès à tous les différents DLC. Mais voilà. Maintenant, c'est à notre tour. Pour ceux qui voudraient acheter tout de suite DLC, commencer la fabrication des armes. Des nouvelles de Liam ? Il a réussi à faire fonctionner son terminal. Le moment venu, nous aurons quelqu'un pour l'utiliser. Je ferai de mon mieux pour retarder Liam, mais il est pressé de mettre l'ancien plan en œuvre. Évitez-le si vous le pouvez. S'il se doute de ce que nous mijotons, j'ai peur qu'il nous dénonce. Est-ce qu'il y a des problèmes ? Tout s'est bien passé ? Aucune alarme n'a été déclenchée. Mes amis ont tout le temps nécessaire pour récupérer les matériaux et effacer leurs traces. Très bien. Dépêchez-vous de fabriquer ces armes. Bien sûr. Plus on perd de temps, plus on laisse au BRS de chances de découvrir le poteau rose. Pour le moment, continuez à travailler avec Père. Il ne faut surtout pas éveiller ses soupçons. Quand nous serons prêts, je vous contacterai. Continuez à travailler avec Père. Donc, continuez à travailler avec Père. Très bien. Donc, bah, écoutez, on va continuer d'aller voir Père. Donc, Père, normalement, ça devrait... Ah, attendez... Tu sais ce que je vais faire, donc on va aller voir Père. Et on va également, je pense... aller libérer Virgile. Comme ça, ce sera fait. Donc ça. Voilà, on va lancer la quête de Bunker Hill. Je sais pas si... Pardon. Je sais que Bunker Hill... Merde, non, en face. Bah, je sais que voilà, Bunker Hill, je peux éventuellement prévenir le réseau du rail. Bonjour, mère. Dites-moi. Je donnerai une bonne leçon au vol. Là, j'accélère un peu. Ils veulent visiblement... Okay. Mais vous connaissez... Ils n'ont pas de mauvaises intentions. Rappelez-vous. Il ne représente... Nous savons où c'est synthétique. Bien. Ça n'a pas l'air bien compliqué. J'espère bien. Mais nous ne... Je ferai au plus vite. J'avance un peu. Un contact vous attendra. Quoique, peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui n'ont pas vu le playthrough consacré... Enfin, à la fin alternative de l'Institut. En gros, l'Institut, dans les missions qu'ils viennent de me confier, sait que le réseau du rail essaye de libérer des synthétiques et que notamment le lieu de rassemblement, le lieu de passage, c'est Bunker Hill. Donc en gros, ce qu'ils me demandent, c'est 1. D'éliminer la menace du réseau du rail à Bunker Hill et 2. De récupérer les synthétiques qui ont été, entre guillemets, volés. Cependant, vous vous doutez bien que ça va pas être le plan qui va être choisi ici. Moi, ce que je veux faire d'abord, j'ai plus de balise fumigène. Ça, c'est moche. Bah du coup, je vais aller voir Virgile. Donc,
Virgile, pour ceux qui prendraient en cours, est un super mutant qui nous a aidé à pénétrer à l'intérieur de l'institut. Cependant, sa maison se trouve vraiment ici. Les TP en mode survie ne fonctionnant plus. Voilà la preuve, regardez. Eh bien, on va être obligé d'y aller à pied. Voilà, donc petit tips. Et nous voici devant la grotte de Virgile. Grotte rocheuse luminescente hein, qui va de là à peu près jusqu'ici. Et donc on va aller lui filer le sérum en remerciement de son aide. Il faut savoir que là le trajet à peu près a duré entre 5 et 10 minutes. Je n'ai pas vraiment compté, puisqu'en plus j'ai fait une pause entre les deux. Bref, donc c'est un peu long si on compare avec le Veripter où là en 2-3 minutes vous y êtes quoi. Ah putain, mais il est en train. Les tourelles sont en train de démonter le gamin en fait. Il est en PLS. Vous ne passerez pas. Ok. Allez, Virgile. Ravi de voir que vous ne vous êtes pas fait désagréger par le relais. L'intercepteur a marché. C'était pas gagné, mais il a marché. Incroyable. Vous entendez en. Et le sérum, vous l'avez trouvé? En arrière-plan, c'est trop marrant. Il est en train de le démonter, le gamin, en fait. Oui, je l'ai apporté. C'est ça. C'est bien ça. Très bien. Alors, qu'est-ce que ça va donner? Ça a bien mûri. Le gradient de densité est élevé. Les séquences d'anti-introns recombinées ont l'air stables. Des brins d'exons transcripteurs se sont formés. Comment vous allez faire? Je vais le tester sur moi, bien sûr. C'est ce qui était prévu. Ce sérum agit uniquement sur la souche du VEC que je me suis inoculé. Je ne sais pas quel effet il pourrait avoir dans d'autres cas. Putain, c'est quoi cette odeur? Allez, oh. Pique. C'est parti. Et maintenant, on attend. Ça va prendre combien de temps? Je n'en sais rien. C'est une première, en fait. Je vais me reposer un peu. Revenez dans quelques jours, peut-être une semaine, et on verra ce que ça donne. Dans tous les cas, vous avez tenu parole. Merci. Très bien, donc il faudra revenir le voir d'ici une petite semaine pour voir où est-ce qu'on en est avec l'évolution du sérum. Ok, super. Bon. Ceci étant fait, on va aller sauver un peu notre ami là qui se fait démonter la face. Ouh, je passe à travers. On va sortir de la grotte du coup. Donc très bien, donc ceci étant fait, on va passer à la prochaine étape. Einstein, vous avez des radiations infligées. Prochaine étape qui va nous emmener à Bunker Hill, mais tout en prévenant à l'avance nos amis du réseau du rail, puisque maintenant il s'agit donc de la fin alternative consacrée au réseau du rail. Du coup on va les informer de ce qui se trame de la part de l'institut et de l'attaque envisagée sur Bunker Hill. Donc la même chose, on fait une petite ellipse et on se retrouve très vite devant le QG du réseau du rail. A tout de suite. Et nous voici arrivés donc au QG du réseau du rail pour les informer que l'institut souhaite désintégrer complètement, raser Bunker Hill, notamment pour y récupérer un certain nombre de synthétiques qui auraient été volés. Donc nous allons prévenir nos nouveaux alliés afin de voir quelle est la suite à donner, d'autant plus que pour continuer également la partie consacrée au sauvetage des synthétiques de l'institut en lui-même, il faut continuer les quêtes de pair. Donc on va continuer. Oh. Desdemona a une opération à vous confier. Ah. Excusez-moi, je suis occupé. Eh ben je peux non, vous parler, nous quelque nous chose plus. Vous tracasse. L'institut est au courant pour Bunker Hill. Il compte aller récupérer les synthétiques. Ça ne pouvait pas tomber plus mal. Ces quatre synthétiques sont sous la protection de Stockton.
On n'a aucun autre endroit sûr où les mettre. Vous comme devez pas, absolument non. garder votre couverture. Mais là, le sacrifice est tout simplement trop grand. Quelle serait l'étendue des dégâts si... si on les laissait attaquer? On manque d'endroits où cacher les synthétiques. C'est bien pour ça qu'on a dû mettre autant d'eux dans le même panier. Donc on perdrait 4 synthétiques, Stockton, quelques-uns de nos meilleurs agents, et probablement plusieurs civils? Non, pas cette fois. Avant, on ne savait jamais où et quand l'Institut pourrait frapper. Mais maintenant, on a enfin une chance de renverser la vapeur. On va attendre que l'ennemi prenne position et on frappera. Très fort. Il ne doit y avoir aucun survivant. À part vous, bien sûr. Compris? L'Institut ne va pas se poser des questions si personne d'autre ne s'en sort? Aucun autre de leurs agents ne vous arrive à la cheville. Si quelqu'un doit survivre, c'est bien vous. Et personne ne pourra contredire ce que vous leur raconterez. Il ne faut pas frapper trop tôt. On doit les attirer dans la zone prévue avant de refermer le piège. Vous saurez quand. Un chasseur vous accompagnera sûrement. Il faudra l'abattre. Vous l'avez déjà fait, mais ça ne sera quand même pas sans risque. Très bien. Ça en vaut vraiment la peine? On ne peut pas se permettre de sacrifier Stockton et les synthétiques. On n'est pas assez nombreux. Et impossible de les déplacer sans compromettre votre couverture. C'est un risque. Mais on va devoir le prendre. Alors au travail. Allez, c'est parti! Donc on a enfermé le réseau. Ce qui nous fait que la prochaine étape... Informer la confrérie de l'acier. Je peux aussi informer la confrérie de l'acier, vous pensez? Ça me paraît bizarre tout de même. On va pouvoir prévenir tout le monde comme ça. Si je les préviens, est-ce que ça va faire un truc sympa? Bientôt je deviendrai chevalier. C'est optionnel, hein. Je suis pas obligé de le faire. Ça pourrait être intéressant d'avoir l'aide de la confrérie tout de même. Qu'est-ce que vous en pensez? Bah écoutez, on va aller voir ce que ça fait de provoquer l'optionnel de la confrérie, sachant qu'elle est pas très loin. Pouvoir y aller assez rapidement. Le assez rapidement étant toutefois assez relatif. Dans la mesure où pour vous ce sera très rapide. Clignement d'œil. Et vous serez dans le Pride Wayne. Ah, pour moi, ça va prendre un peu plus de temps. Il faut regarder ça. Il faut regarder ça si je me permets d'y aller tout seul. Ou de faire en sorte que vous m'accompagniez. En sachant que ça fait plusieurs fois que je fais ce chemin-là et qu'il n'y a quand même pas grand-chose à y faire. Le décor, vous le connaissez. Il n'y a pas trop de combats. Donc à voir si c'est vraiment intéressant de vous faire voir ça. Je ne pense pas. Voilà, j'ai pris mes décisions, je ne pense pas. Je vais essayer de redescendre par ici, sauter et attraper l'aéroport de Boston. Allez, à tout de suite. Et nous voici sur le Pride Wayne avec cette petite musique d'ambiance chinoise et ce petit bébé qui pleure. C'est magnifique, on est bien. Donc, nous allons discuter avec Lenny Maxon. Donc, faut savoir que j'ai fait une petite sauvegarde auparavant. Je suis occupé pour le moment. Pour voir un peu... ce que ça va donner. On n'envoie pas tout le monde massacrer ces abominations. Apparemment, ça ne donne rien du coup. J'ai une nouvelle urgente, aîné. L'Institut cherche à récupérer des synthétiques qui se sont réfugiés à Bunker Hill. D'où tenez-vous cette information? Nos éclaireurs n'ont rien signalé de la sorte. T'occupe. Je tiens cette information de l'Institut lui-même. Et vous avez bien fait de venir m'en parler directement. Beau travail, soldat. Votre rapport nous donne une occasion rêvée de préciser nos intentions à l'Institut. Je vous place aux commandes de cette mission. Exterminer les synthétiques de Bunker Hill, ainsi que tous les agents de l'Institut envoyés pour les récupérer. Je vais demander à Kels de vous fournir tout le soutien nécessaire. Rompez, soldat. Après une telle mission, super. Ça va être bien, on n'en a pas trop dans les... Donc là, en plus, on pourrait imaginer... on pourrait s'imaginer que la confrérie et le réseau du rail pourraient travailler ensemble, du coup, puisqu'ils ont un ennemi commun. Mais ce n'est pas le cas, évidemment. Comme vous avez pu le constater et sans spoiler, quoique je l'ai déjà fait, la quête consacrée à la confrérie de l'acier, je vous invite à aller regarder si ce n'est pas déjà fait, bien entendu. Les humains sont les pires, ils se cachent parmi nous.
Alors, du coup, est-ce que... Il faut savoir qu'il y a aussi un petit problème en fait. Il faut savoir qu'il y a un problème avec les compagnons lorsque montés sur le Prédouane. Ils ont une fâcheuse tendance à se suicider. Et quand je dis se suicider, c'est vraiment se suicider. Donc ils tombent et si vous n'allez pas les soigner maintenant directement, puisqu'avant en fait, je pense que ça avait été codé dans ce sens-là, c'est qu'il... C'est que les... comment ça s'appelle ? Les compagnons se soignaient automatiquement, du coup, ça posait pas de problème qu'ils se suicident, on le retrouvait au prochain écran de chargement, voilà. Donc moi ce que je vous conseille de faire si vous devez monter sur le Prédouane, c'est de demander... C'est de demander à vos compagnons de vous attendre, en fait, au niveau de l'aéroport avant de monter dans le Bargouin. Sinon c'est le bordel, il faut vous retourner à chaque fois au dernier point connu de la part de votre compagnon. Donc quand vous l'avez mis à un endroit dire connu entre guillemets, type une de vos colonies, ça pose pas de problème. Par contre voilà, si vous n'avez pas fait la modification auparavant, là le souci peut intervenir dans la manière où il faut savoir où il était la dernière fois que vous l'avez trouvé. Je peux vous dire parfois c'est un peu chiant. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est que l'on va aller à Bunker Hill. Pour aller Bunker Hill, il faut passer par ici. Malheureusement, le raccourci que j'ai pris fonctionne pas trop. Faut juste que je vérifie, que je dis des bêtises. Mais de tête, je pense pas que ce soit une plage qui soit accessible facilement. Mais plutôt... Plutôt... une espèce de rivage, voilà. Donc ça, pour monter là-dessus, c'est le bordel. Alors, il faudrait que j'aille ici, mais je vais prendre trop de radiation, ça va être trop long. Du coup, ce ne sera pas vraiment intéressant. Du coup, écoute, je suis reparti. Pas mal d'ellipses, voilà, ça permet de garder un certain rythme dans la vidéo, puisque là, clairement, il va rien se passer pour que j'arrive jusqu'à Bunker Hill. Donc, on se retrouve devant Bunker Hill pour de l'action du lourd, du gros lourd. A tout de suite. Et nous voici donc à proximité de Bunker Hill. Bunker Hill qui se situe donc ici. Pour faire notre quête. Apparemment, donc la confrérie et l'institut ayant le même ennemi devraient se battre contre lui sans trop de problèmes. Donc là, il faut qu'on retrouve notre pote le chasseur afin de mener à bien la mission. Alors, où est-ce qu'il se situe ? Il ne devrait pas être loin. Il est là. Il est là, le bougre. Viens dans mon piège, viens. Hey, X4. Je vous attendais. Ça tombe bien, moi aussi. Alors, quelle est la situation ? J'imagine que vous avez eu droit à un briefing. Nos cibles sont à l'intérieur. Quatre synthétiques sous la protection du réseau du rail. La majorité des habitants n'ont rien à voir là-dedans. Ils prendront sûrement la fuite. La situation a l'air de s'être aggravée. Une approche discrète semble impossible. On entre, on sécurise les synthétiques, et je me téléporte avec eux jusqu'à l'institut. Compris ? Très bien. Reçu 5 sur 5. Et n'oubliez pas, j'ai vu mon regard de tueur. Principal, ce sont les synthétiques. Ils doivent rentrer sains et saufs. Ils nous juste où est la fête et on s'occupe du reste. Voilà les codes de réinitialisation. Ah, elle aime pas qu'on donne des ordres. Les renseignements du BRS indiquent que les paramètres de la mission viennent de changer. On ouvre les hostilités. Demande de renfort immédiat. Donc là, de tête, voilà. Donc moi, je suis pote avec tout le monde, en fait. Donc, on va pas s'emmerder. On va rusher directement. En fait, on va tuer le synthétique, le chasseur à l'abri des regards. Oh, une bramine en fuite. Donc là, le combat est rude, hein, le combat est violent. Après, je sais pas si les gars de la confrérie de l'acide, du coup, en profitent pour défoncer quelques gars du réseau du rail. Ça, faudrait le savoir. Là, ce qu'on va faire, évidemment, c'est qu'on va l'emmener dans notre piège. Ouais, on arrive, t'inquiète, pas de soucis. Allez, viens. Allez, faut aider. Putain, ça a la tête de partout. Et oui, ah oui, là, c'est vraiment une. Ouais. Un combat de tranchée. Donc là, on va. Voilà, on va se le faire ici tranquillement. Recharge. Oh. Voilà. Donc là maintenant, on va tous les terminer un par un. Par contre, ouais, du coup, la confrérie aussi
Là. Quand même max XP à se faire. Boum. Hop là, celui-là il est ni vu ni connu. Là, si vous gérez bien, en fait, vous pouvez vous en faire un max quoi d'XP. Un coup de 81. Tout ça, ça restera entre nous, vous l'avez deviné. Voilà, et là on a tout géré tranquillement. Et bah écoutez, nickel. Super, donc ça c'est réglé. Là on peut se refaire en plus un max de munitions sur notre arme préférée. Et ils sont tous en mode. Tous en mode fusil Gauss. Tranquille. Bon, je fais les corps, hein, c'est important. Là, ça veut dire que ouais, vous pouvez récupérer aussi pas mal de pognon. Si vous avez de quoi vous équiper, oh, bon, venez ici. Toutes les armes, vous les revendez. Ça peut être sympa aussi. Ouais. Je suppose qu'il explose. Donc. Inventaire, du coup on va se mettre un petit peu de soin, parce que j'ai soif, voilà. Donc il faut que j'aille chercher les synthétiques en fuite. Ils sont où ? Il faut que je les tue ou bien ? Parce que là, première vue, c'est bon. Oh non, mais ils sont en train de tuer le petit en fait, ok. Attends, ce gamin est détesté par la terre entière tout de même. Hein. Alors par contre, qu'est-ce que je dois faire? Occupez-vous des synthétiques en fuite. C'est-à-dire... ça veut dire quoi? Je n'arrive pas à croire que vous fassiez ça pour nous. Merci. C'est tout? Je n'arrive pas à croire que vous fassiez ça pour nous. Merci. Vous nous avez donné une chance de vivre. Salut. On ne l'oubliera jamais. Merci de nous avoir épargnés. Après votre départ, on ira se mettre en lieu sûr. Ok. Apparemment, il n'y a pas d'autre chose à faire en fait. C'est la possibilité qui est donnée, qui nous est donnée en fait, pour peut-être continuer à rentrer dans les bonnes grâces de père. Donc, on va essayer de voir ça. On va essayer de voir ça tout de suite. Et bah, du coup, une nouvelle petite ellipse. Et à tout de suite. Fils. Vous savez, je n'ai jamais mis le nez hors de l'Institut. Pas une seule fois depuis le jour où on m'a amené ici. Je n'ai jamais eu de raison de sortir. Mais maintenant, ça ne fait que confirmer ce que j'ai toujours su. Le Commonwealth est mort. Il n'y a pas d'avenir ici. Le seul espoir de l'humanité se trouve sous terre. Un peu de désodorisant, une nouvelle couche de peinture, et ce sera comme neuf. Si seulement c'était aussi simple. Quand je vois toute cette désolation, ça me rappelle la chance que j'ai de ne pas avoir à y vivre. Je sais qu'à vos yeux, j'ai été kidnappé, arraché de cet abri par l'Institut. En réalité, il m'a sauvé. Tous les deux, en fait.
Mais alors, pourquoi me remettre en cryogénisation? Pour la sécurité de l'opération, bien sûr. J'étais le candidat parfait. Un nourrisson à l'ADN pur. Mais si quelque chose tournait mal, si je mourais... Disons que l'Institut savait qu'il était prudent d'avoir un plan de secours. Une autre source d'ADN d'avant-guerre. De préférence liée au sujet principal. Il était logique que mes parents remplissent ce rôle. Alors nous avons épargné votre vie et refermé l'abri. J'avoue que quand je vous ai fait libérer de l'abri 111, je ne pensais pas que vous pourriez survivre dans ce monde. Mais non seulement vous avez survécu, vous avez aussi réussi à me retrouver et à vous infiltrer dans l'Institut. Extraordinaire. Alors c'était toi. C'est toi qui m'as fait sortir. Oui. C'était ma décision. Il n'y avait plus aucune raison de vous garder dans cet état. Je suppose que je voulais voir ce qui allait se passer. Une expérience, en quelque sorte. Le Commonwealth finirait-il par vous corrompre, comme tout le reste? Parviendriez-vous seulement à survivre? Et ce qui m'intriguait le plus, chercheriez-vous à me retrouver après tout ce temps? Maintenant, j'ai la réponse. C'est de la science pour toi? Lamentable. Tout ça est lamentable. Je suis navré que vous le preniez comme ça. Peut-être qu'avec le temps, votre point de vue changera. Bientôt, j'espère que vous comprendrez. Tout ce que j'ai entrepris, je l'ai fait pour l'avenir. Un avenir qui, je l'espère, n'est pas en péril après les récents événements. La mission de Bunker Hill ne s'est pas déroulée comme prévu. Pouvez-vous m'expliquer ce qui s'est passé? Ils nous ont tendu une embuscade. Ils nous attendaient. J'ai beaucoup de mal à le croire, étant donné tous les renseignements dont je dispose, qui indiquent que vous auriez dû les prendre par surprise. Bunker Hill devait prouver que vous êtes un atout pour l'Institut. Mais maintenant, ce fiasco ne va faire qu'éveiller les soupçons. Et l'implication de la confrérie de l'acier. Ces agents n'avaient pourtant aucune raison de savoir ce qui se tramait. Pour l'instant, je vais m'abstenir d'en référer au conseil d'administration. Je ne veux pas risquer de faire dérailler nos projets en cours. À ce propos, il est temps pour vous de vous impliquer un peu plus dans l'avenir de l'Institut. Rejoignez-moi à l'intérieur. Le conseil d'administration se réunit et votre présence est requise. Je vous attends. J'en ai assez vu. Il est temps de rentrer. Hey. Et voilà, on a réussi à lui mettre le seum, comme disent les jeunes. Donc, bon, il a gobé le truc parce que je suis sa mère. Mais ça aurait été quelqu'un d'autre, je pense qu'il aurait eu un certain nombre de doutes. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de mettre un terme à l'épisode ici. Donc vous voyez à peu près les quêtes que vous pouvez réaliser sans trop de problèmes avec la confrérie ainsi qu'avec... l'Institut, jusqu'où vous pouvez pousser le bouchon pour récupérer de l'XP. Et donc on se dit très bientôt pour la suite de la fin alternative consacrée à nos amis du réseau du rail. En attendant, je vous remercie à tous et à toutes d'être toujours aussi nombreux à regarder ces vidéos. N'hésitez pas à liker, partager. Partager si ça vous a plu, ça permettra d'apporter également de nouveaux abonnés, ma foi, et peut-être de faire grossir la chaîne à un niveau acceptable pour avoir des jeux gratuits. Ouais. Et sinon, je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée, d'excellentes vacances si vous êtes en vacances. Profitez du soleil, de la mer, de la montagne. Ciao.